Shkurim les biais au Zivug Agun Bezrat Hashem de Simcha Bracha Bat Esther Bekarov Mamash Amen Ve Amen. J'ai entendu d'une personne très sage l'idée suivante. Très souvent on entend des gens qui nous disent Akadosh Baruch Hu, ok, il peut tout, mais bon, hein, combien il peut tout, combien il peut vraiment me faire des miracles, combien Akadosh Baruch Hu, il est vraiment présent dans ma vie. Cette personne a dit la chose suivante. Un jour il y avait un enfant qui était avec son père. Il voit un avion qui était dans les cieux, sur le point d'atterrir. Quand il était encore haut dans les cieux, le fils il demande à son père, papa, c'est quoi? Et le père lui dit, c'est un avion, mon fils. Il dit, pourquoi il est tellement petit? Il dit, il n'est pas petit, il est très très loin. Mais tu verras peut-être un jour un avion de plus proche. Tu verras combien il est grand. Et l'avion est en train d'atterrir. Au bout d'un moment, l'enfant il le voit à nouveau. Il dit, papa, c'est vrai, t'as raison, il est grand. Le père il dit, mais c'est encore rien ça, tu vas voir. Quand il va complètement atterrir sur la piste d'atterrissage, tu vas voir combien cet avion il est grand. Et effectivement, l'avion est arrivé sur la piste d'atterrissage. Et à l'enfant, waouh, il est gigantesque, énorme cet avion. Or quoi, au début il était petit, après il est devenu plus grand. Le père il dit, mais non, depuis le début il était grand et gigantesque. Simplement quand il est loin, tu le vois petit. Quand il est proche, tu le vois grand. A dit cette personne très très sage, c'est exactement la même chose à propos de la Kadosh Baruch Hu. Hachem il est énorme, il est géant, il peut tout faire, il peut vraiment, en un claquement de doigts, nous sauver, nous faire les choses les meilleures, transformer notre situation, nous amener toutes les plus grandes Yeshuot. Simplement quoi? Quand toi tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, quand tu t'éloignes de lui, quand tu refuses de vivre avec lui, quand tu refuses de lui parler, quand tu refuses de le remercier pour tout ce qui se passe de bien, quand tu refuses de lui demander même pour les petites choses, là qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression qu'Hachem il est tout petit. Mais plus tu t'habitues à vivre avec Akadosh Baruch Hu, plus tu t'habitues à le faire entrer dans ta vie, à savoir qu'il est là, plus tu t'apercevras combien il est grand et combien il est géant et combien tu peux te reposer sur lui. Essayez mes chers amis, essayez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre avec un grand Dieu. Bah, slacha mes chers amis.